Hey guys! J'espère que vous allez bien. Donc comme je vous l'ai dit, mercredi, ce dimanche, on se retrouve dans un petit vlog. Retour dans le sud de la France. Je suis retournée voir ma famille. Donc voilà, je vous partage un petit peu mon quotidien, mes habitudes. Et j'espère qu'on va kiffer ensemble ce petit vlog. Let's go! Donc ce matin pour le petit déj, on part sur un acai bowl parce que voilà, c'est trop bon, ça me remplit bien le ventre et pour prendre la route, je pense que c'est clairement l'idéal. Donc voilà, je prends mon petit déj tranquille devant une petite vidéo YouTube. Ensuite, ça part sur une petite mise en beauté très très simple que je ne vous présente même plus parce que vous l'avez déjà vu dans de nombreuses vidéos. Guys, je suis à l'air d'autoroute à mi-chemin. Je me suis fait tout l'album de Maître Gims parce que oui, je suis une grosse piche. Donc là, je vais faire un peu d'essence. Je vais manger un truc là parce que je sens que je suis un peu fatiguée. Et puis ma foi, je reprendrai la route certainement avec l'album de Aya Nakamura. Voilà, pour continuer dans la bonne lancée. Hey, je viens d'arriver, donc je suis trop contente. J'ai un peu mal à la tête, je suis un peu fatiguée quand même. Mais ouais, trop contente d'être rentrée. Bah alors? Alors s'il vous plaît, ne jugez pas mon chien. Je sais que tout le monde dit qu'il est moche, mais il est vraiment adorable, mon bébé, cette petite tête. Ouh là là, on dirait que tu es une petite obèse. Hein. Tu me regardes avec ton air malicieux là. Hein. Bon bah c'est reparti pour un petit coup de voiture parce qu'on va aller faire quelques courses. Parce que voilà, je suis un peu chiante en bouffe et il y a plein de trucs qu'il n'y a pas que j'ai envie de manger. J'appuie sur play, tu l'as juste à cintrer sur moi. Et j'appuie où après? Nulle part. Ah ça, y est, ça tourne là déjà? C'est bon? Ouais, ah putain, faut pas que je mette mon truc. Bah non, si tu mets le doigt. Moi. Il est. C'est... Ah c'est là! Change de sens sinon. Ah oui, sinon ça va pas le faire. Voilà. Ouais, d'accord, putain. Non mais moi je veux pas qu'on m'entende à moi. Pourquoi? Non, je dis que des conneries. Mais non, c'est bon ça. Bon guys, la qualité du cadrage de cette séquence n'était pas exceptionnelle, mais j'en n'en veux pas à ma mère parce que. Le cadrage est tout un métier que seul Didier sait gérer, donc j'ai décidé de vous faire cette séquence en musique parce que ça passera plus vite et ce sera aussi plus fun. Voili valou. Des bananes, un oignon citron vert, des autres melons, de l'eau pour les salades, des aiguillettes de canard, non, du yaourt, de la feta, et tu peux appuyer sur le bouton. Tu sais quand je vais lancer. Attaque, attaque. Non mais il va venir si tu veux. Bon les gars, il est à peu près 21h30. Franchement cette journée m'a fracassée, genre vraiment. Comme ça faisait un moment que j'avais pas conduit et tout, bah je sais pas, je suis rentrée, j'avais mal à la tête, j'étais fatiguée. En ce moment je suis tout le temps faible, ça me saoule en plus, j'ai des boutons qui me sont poussés genre là et là. Mais bref, je suis quand même super contente d'avoir retrouvé ma famille parce que ça faisait vraiment vraiment longtemps. Et je pensais aussi que j'allais pouvoir me reposer et profiter, mais en fait non, parce que je viens d'apprendre que bah j'avais un partiel qui est déplacé à après-demain, que je n'ai pas commencé à réviser, donc bah, demain ça va être une super journée, je sais pas trop ce que je vais vous vloguer du coup. Hey, comment ça va Oslo ce matin? Oh. Il fait tellement beau. Je me suis fait mon petit déj classique, fraise, banane, yaourt, coco. Et je vais manger ça tranquille sur la terrasse. Ça fait du bien un peu d'avoir un extérieur. Donc voilà, bon app et faites pas attention à cette gueule. Ouais. Ils sont venus faire des câlins. Tu me demandes quelque chose? Elle est très craintive, elle. Ma chérie, t'es craintive, hein? Tu aimes pas trop qu'on te touche. Et non, si j'ai rien à manger, ça t'intéresse pas du coup. Donc ça va, on me laisse un peu la toucher. T'es belle.
Bon guys, j'ai terminé de bosser et je me suis dit que j'avais bien envie de prendre une petite photo parce que ça commençait à faire un moment. Alors les gars, je vous ai fait un setup, laisse tomber. Hey! Woo! Vous savez, j'ai utilisé un peu les inspi Pinterest là. Genre, je vous en mettrai quelques-unes sur l'écran que je kiffe en ce moment, que je trouve beaucoup, beaucoup trop stylé. Donc Théma, le setup, j'ai pris un miroir genre qui était dans mon salon. Et pour le faire tenir, j'ai mis le trépied derrière. Non mais c'est toute une organisation le bordel. Donc voilà, j'ai pris une petite photo comme ça sur mon Instagram. Hey guys, nous sommes le lendemain. Ce matin, j'ai fait du montage, j'ai travaillé, etc. Là, il est à peu près 17h et je vais aller retrouver ma copine Lizzie. C'est ma meilleure amie en fait, on se connaît genre depuis qu'on est en maternelle, genre depuis toujours. Sauf qu'on peut pas se voir tout le temps parce qu'on fait pas nos études au même endroit, etc. Mais du coup, ben là, ce soir, on va se voir. On va faire un petit apéro, tout ça, tout ça. Donc ça va être trop cool. Et bien évidemment, je vous emmène avec moi. Voilà pour l'outfit. Bon, ben, j'ai fait très simple. J'ai mis un petit jean, Stradivarius, toujours le même en fait. Mais ma queen et un petit t-shirt Claudie Pierlot. Et voilà. Voilà quelques bijoux qui font l'affaire. Donc voilà Lizzie, la femme de la jungle, avec sa perruche. Trop mignonne. Oh. Trop belle. Lizzie, montre-nous tes tableaux. Parce que Lizzie peint, elle peint trop trop bien. Celui-là, il est vraiment beau. Ah, c'est toi avec ta perruche. Ah non, c'est pas... Et c'est pas toi, non? C'est pas vraiment moi non plus. Non, parce que t'as un visage quand même beaucoup plus fin. C'est vraiment trop joli. J'adore. Celui-là, il est trop joli aussi, j'adore. De toute façon, je mettrai l'Instagram de Lizzie. Comme ça, vous pourrez aller voir tous ses beaux tableaux. Et sa beauté. Yes! Ça change tout avec le soleil. Et donc voilà le petit pique-nique de luxe. On a mis tout l'argent dans la bouteille là, hein. Clairement. Nous allons ouvrir la bouteille que le gentil papa de Lizzie nous a apportée. Je tiens à préciser qu'il y a écrit femme de champagne. Et ça, c'est moi dans la bouteille. Mais quelle vue! Non mais c'est pour la vue. C'est dingue. Perpignan 2020. Bon ça va, c'est pas... C'est dramatique. Il y a des serviettes. Chin chin, Lizzie. Alors attends, je suis pas une pro, je tiens à préciser. Kimmy. Tiens, tiens. Merci. Abreuve-toi, mon enfant. Merci. Bon, on pourra trinquer toutes les deux sans filmer quand même, hein. C'est ouais. Un moment d'intimité, hein. Non, je sais pas, hein, moi je suis dans le mood. Ah, oh, comme c'est beau. Il est pas trop chaud, mais ça devrait aller, hein. Ah meuf, on mettra toutes les deux, on fera ça genre. Merde. I. Attends, ah, merde, ouais, je vois pas ce que je fais. À nous. À nous. À nous. Attends, je te filme un peu. Ah ouais. Bon guys, je viens de rentrer chez moi. Je ne parle pas trop fort parce qu'il est presque minuit et mes parents sont en train de dormir. Mais franchement, c'était genre trop bien. Je suis trop contente d'avoir retrouvé ma best copine. Donc voilà, je pense que dès que je vais revenir à Perpignan, on va refaire ça. Surtout que vous avez vu, le paysage est genre dingue. Je vais aller me coucher, je vais appeler Didier, bien évidemment. Bonne nuit. Bon guys, cette vidéo touche à sa fin. Bon, j'espère que ce vlog vous a plu. Moi personnellement, franchement, j'ai passé un bon moment, je vous le cache pas. C'est aussi sympa pour moi de filmer un petit peu ma vie de tous les jours sans objectif vraiment précis. N'hésitez pas à me dire franchement si ça vous a plu et si vous aimeriez que je vous fasse d'autres vidéos de ce type là qui a pas, voilà, d'objectif vraiment déterminé. Juste vous partage en fait ma journée. Surtout que bon, cet été je vais être quand même amenée pas mal de fois à descendre à Perpignan. Donc voilà, vraiment j'aimerais savoir si ça vous plaît ou si vous préférez vraiment que je parte sur quelque chose où vraiment il y a un objectif derrière. Donc voilà, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous avez envie de suivre mes vidéos un petit peu plus régulièrement. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo.